verte de vigne vierge et de toile alignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Suivez-moi. Bienvenue à la Grainothèque Poétique. En fait, c'est une coopérative de semencières indépendantes. Nous avons pour but de défendre l'accès à la nature pour tous et pour toutes via l'exploration de nos jardins intérieurs. Voilà, c'est écrit là. Moi, je m'appelle Violette. Violette, enchantée. Et je sens là, dans votre regard, que vous avez quelque chose à faire pousser. Et aujourd'hui, c'est notre proposition du moment. Je vous laisse en prendre connaissance et me dire ce que vous avez envie de faire pousser. Et ensuite, nous ferons agir les vers. Une envie de voyage ou une envie de sensualité? As-tu envie de révolte? Un peu de révolte. Ah, je sens que celui-ci vous conviendra très bien. Attention, regarde ce beau chèvrefeuille, comme il est beau. Et ici, hop, ici, juste ici, c'est l'entrée. Ce que je te propose, c'est de te débarrasser de tout ce qui t'ennuie. Voilà, tu peux te frotter si tu veux. Plante aromatique. Si vous le voulez bien, nous allons mettre la tête dans les nuages. Voilà. Ça ne fait jamais de mal, la poésie. Hein. La sève universelle affluait dans ses mains. Et comme l'aube claire, pour ouvrir la corolle de nos bouches. Et exprimer avoir le l'âme de la joie, qui rêve sauvage, au bord du monde farouche, assise. C'est un poème de Samira Kerfa. C'était un poème de Anna de Noailles. D'accord. C'est un poème de Jacques Prévert, issu du recueil Paroles. J'aime beaucoup. Est-ce que ça vous a plu? Beaucoup. Beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous sentez que ça pousse un petit peu à l'intérieur de vous? Alors attendez, on va sortir la tête du nuage. Il y a des cœurs au fond de l'océan. Il y a l'erreur qu'on fait depuis longtemps, de croire que les baleines ne pleurent pas. Tu peux aussi, à ton tour, écrire des vers afin qu'il fertilise le terreau des jardins intérieurs des autres personnes. Voilà, donc il y a ici des stylos, un cahier, et tu peux te mettre où tu veux dans ce magnifique jardin. À l'heure de donner leur lait, elles endurent un supplice, la machine à traire leur fait. Regarde, on y va doucement. Regarde-toi. Moi, je parle comme ça, et tu vas bien entendre. Que c'est humiliant, par son côté trop mécanique, c'est aussi très traumatisant. C'est le laitier qui me l'a dit. Une autre revendication. Mesdemoiselles, vous avez le droit à un petit cadeau. Est-ce que vous avez un jardin chez vous? Vous avez un jardin? Mais c'est fantastique. Je vais vous donner des graines pour que vous aussi vous puissiez embellir le monde. Vous connaissez les tournesols? Qu'est-ce qu'ils ont particulier, les tournesols? C'est une plante qui suit le... Exactement. N'hésitez pas à en planter beaucoup. Okay. Vous avez ici toutes les petites graines, on les sent pas, elles sont toutes petites, mais il y a bien des graines dedans. Ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de votre vous. Confiance, c'était un très bon merci. Moment. Merci. La grève du lait et le boycott du mélange. Les vaches ont une âme aussi. C'est le laitier qui me l'a dit. Elles m'ont bien persuadé que leurs plaintes sont naturelles, mais j'apprends qu'on leur a donné toute une année rien que pour...